Another poem? Nobody yeah. knows who it is, I guess. I'll read this one. Well, and this one. Well, here I am, 2 p.m. What day is it? Cet homme-là, Jack Kerouac, s'était lui-même défini comme un visiteur éphémère, un étranger de passage. À tort ou à raison, il est le grand voyageur de la littérature américaine, mort à 47 ans, en 1969. Jack Kerouac fut le héros contradictoire de deux mondes, celui de la ville noire, du néon et de l'ivresse, et ailleurs, ou en même temps, le héros et le conteur des grands espaces vers l'ouest. Cette fin de siècle, son grand livre, Sur la route, redevient une bible pour de nouvelles générations. Ainsi se redéploie la pulsation, le beat. Ainsi se prolonge peut-être la rébellion de Jack Kerouac. Le refus d'être conforme face à une Amérique toujours excessive. Ici commence l'histoire d'un petit immigré canadien devenu un mythe de la culture américaine au lendemain d'Hiroshima. Et right now we're looking to, Jack Kerouac's on the road, and he'll lay a little on you. You know, you don't even have to buy these pages. Well, a lot of people have asked me why did I write that book or any book. All the stories I wrote were true, because I believed in what I saw. I was traveling west one time at the junction of the state line of Colorado, its arid western one, and the state line of poor Utah. I saw in the clouds huge and massed above the fiery golden desert of Evenfall, a great image of God with forefinger pointed straight at me through halos and rolls and gold folds that were like the existence of the gleaming spear in his right hand, which saith, come on, boy, go thou across the ground. Go moan for man. Go moan. Go groan. Go groan alone. Go roll your bones alone. Go thou and be little beneath my sight. Go thou and be minute as seed in the pod. Go thou, die hence. And of this world report you well and truly. Anyway, I wrote the book because we're all gonna die. In the loneliness of my life, my father dead, my brother dead, my mother far away, my sister and my wife far away. Nothing here but my own tragic hands that once were guarded by a world of sweet attention. That now are left to guide and disappear their own way into the common dark of all our death. Sleeping in me raw bed alone and stupid, with just this one pride and consolation. My heart broke in the general despair and opened up inwards to the Lord. L'action de Sur la route se déroule en 1947,
Deux ans après la fin de la guerre, deux ans après la première bombe atomique, il fallait comme un grand appel d'air. Il fallait réinventer le monde et pourquoi pas redécouvrir l'Amérique. De la côte Est jusqu'au Pacifique, deux hommes glissent au long du continent à la poursuite d'émotions, de sensations, de frénésie. Ils ont laissé la ville derrière, ils y reviendront. New York City n'est-elle pas le grand aimant de la vie américaine? Longtemps, Kerouac n'a pu se passer de New York, la ville piège, la ville de ses nuits les plus folles. So, in America, when the sun goes down, and I sit on the old broken down river pier watching the long, long skies over New Jersey, and sense all that raw land that rolls in one unbelievable huge bulge over to the west coast, and all that road going, and all the people dreaming in the immensity of it, and now I know by now... Mais devant, il y a l'Amérique, son espace comme infini. Prendre la route pour Kerouac, c'est faire le pari d'un monde nouveau, mais c'est encore plus. Vouloir revivre un moment du rêve américain, la mythologie de l'Ouest sauvage. Prendre la route, c'est aussi refuser l'inhumanité, le vide, cette impression que tout est foutu. Et de toute façon, on était tous aux anges, disait Kerouac. On savait tous qu'on laissait derrière nous le désordre et l'absurdité, et qu'on remplissait notre noble et unique fonction dans l'espace et dans le temps. Je veux dire, le mouvement. Think of Dean Moriarty. Think of Dean Moriarty. En 1939, Kerouac étudie à Columbia, en plein cœur de New York. Pour un jeune provincial, Columbia University, c'est d'abord un rêve, encore un morceau du rêve américain. Sur le campus et autour gravitent quelques jeunes gens en colère. Allen Ginsberg a 18 ans, déjà libertaire, poète et homosexuel militant. William Burroughs a presque 30 ans. Ginsberg voit en lui un grand explorateur des villes et un grand sondeur d'âme. Kerouac admire Burroughs, futur auteur du Festin nu, mais une vive complicité le lie à Ginsberg. Passionné par Baudelaire, Rimbaud, Dostoïevski, Ginsberg travaille à une vision nouvelle de l'homme. Il deviendra l'une des grandes voix de la poésie américaine du siècle. Tous échangent des livres et tous écrivent des poèmes furieux, rapportés de 1000 virées nocturnes en ville. 20 ans avant, la contre-culture des années 60 s'ébauche ici, dans l'un des temples de l'institution universitaire. Sur le terrain de football de la Horace Mann School, Jack devient le champion au maillot mouillé de sueur. Depuis longtemps, il est passionné de sport. C'est un arrière émérite. Le meilleur sur le terrain, dit-on de lui. Au sein de l'équipe de Columbia, il se voit déjà en héros de légende, un pur héros américain. But that was too long for Columbia. The visiting Lions found Davis hard to stop. A common failing shared by opposing players for 3 years. Davis and Doc Blanchard. The Army's big guns. And here's Blanchard scoring one of his four, repeat, four touchdowns of the game. Pourtant, une fracture de la jambe après un solide plaquage par un adversaire compromet sa jeune carrière. Pire encore, cet accident va tuer à jamais son rêve de gloire sportive. En décembre 1941, les États-Unis entrent en guerre. Kerouac s'engage comme garçon de cuisine à bord du destroyer Dorchester en route vers le Groenland. Mais il ne supporte pas l'horreur des combats et se déclare alors le seul pacifiste authentique de la Terre entière. Le vent furieux tonne et rugit. Tout n'est plus qu'une fureur bleue et jaune comme le soleil. Je vois les rocs qui chancellent comme si Dieu se mettait en colère pour de bon contre un tel monde et s'apprêtait à l'anéantir. Les hautes falaises vacillent devant moi. Je reste abasourdi, Dieu me dit. Vous êtes allé trop loin, vous détruisez tout d'une manière ou d'une autre. Et tombe la bombe. La fin est pour tout de suite.
Kerouac est réformé. On juge sa personnalité insuffisamment affirmée. Lui-même se reconnaît une incapacité héréditaire à accepter la discipline. Il revient à Columbia, mais ses résultats sont médiocres. Il abandonne. Alors, New York, où les rêves sont si multiformes, les expériences si infinies, où l'on peut fuir dans tous les sens à la fois. Dans New York, Kerouac part pour les marges, Times Square, 42e rue et 8e avenue, quartier peuplé de voleurs, d'héroïnomanes, de vagabonds de la nuit. Au bas de Manhattan, l'île électrique, il y a Greenwich Village. En 40, en 50, en 60, Kerouac reviendra ici, où le cœur vibre le plus fort, où tous les sens se dérèglent, comme le disait Rimbaud. Avec Burroughs, Ginsberg, Corso, des dizaines d'autres, il va de liaison en liaison, de drogue partie en discussions enflammées, de beuverie en mélancolique dérive. Mais Kerouac et les autres ne sont pas là en sociologue, encore moins en militant. Ils vivent, éclatent de rire, se veulent poètes cosmiques, des clochards célestes. S'il s'agit de changer le monde, ce sera par l'écriture. Une écriture qui toujours passera par la vie. Une écriture d'instant et de nuit blanche, une forme sauvage. Ainsi, le groupe de jeunes bohèmes autour de Kerouac fait-il école sans le vouloir vraiment. Ainsi naît la Beat Generation, le refus des stéréotypes américains de l'après-guerre, un nouveau modèle de comportement social. Some people like to rock, some people like to roll, but me, I like to sit around to satisfy my soul. I like my women short, I like my women tall, and that's about the only thing I really dig at all. Well, man, well, I belong to the Beat Generation. I don't let anything trouble my mind. I belong to the Beat Generation, and everything's going just fine. With man, it don't mean a thing if it ain't got that stretch, if it ain't got those eyes, and it don't mean a thing if it isn't a ticket, and it don't mean a thing if it don't mean a thing. That is a voice and sound of our time, a member of the so-called Beat Generation, dramatically expressing a negative attitude toward the 20th century. His haven, away from the rest of the world, is a coffee house in downtown New York, in an area known as Greenwich Village. Perhaps the most unusual and colorful village in the world. On a park bench, two boys bang out rhythm on bongo drums. Sometimes it is said that many of the so-called beats in the village take marijuana. A possible explanation for this is linked to the mushroom clouds that hover over all of humanity. How many Beats or members of the Beat Generation are there in the village, and who are they? This is not clearly defined. There is a lot of confusion about it, even though they have become the village's most recent attraction. Some simply say, I'm just a member of this generation, that's all. It's difficult actually to find anyone who will deliberately label himself as being Beat. This is true even in the coffee houses, which are supposed to be the Beatnik's headquarters. One floor beneath ground level of an ancient brownstone on lively McDougal Street, crossroads of the village, there is time for a brief conversation with some poets who read nightly at the Gaslight Cafe, despite the fact that the readings have been advertised as being by poets of the Beat Generation. There is no clear picture even here of what this means. To a local minister faced with the problem of tending to the spiritual needs of the villagers, it is this. One of the definitions of Greenwich Village is that it is a community of revolt, or in revolt, against much of middle-class American values and standards and ways of life. The rebellious spirit has produced some angry young men, some rebels with and without a cause. The village is made up of a lot of people. They are both pundits and something less
than humans. And that is the voice of an artist who has painted in a village studio for 40 years. Many works of art and literature have been inspired in this locale of some two square Manhattan miles. Theodore Dreiser, St. Clair Lewis, Sherwood Anderson, and Eugene O'Neill spent their early creative years along its winding, narrow streets. Today, each of its 130,000 residents has a different reason for living there and a varying notion as to just what the village is. To the editor of a village paper, it is something much different. You have all levels of society down here. You have all cultural levels down here. You have a community life, you have a political life, which is extremely alive, and you have most of all a cultural life, which is unlike any other part of the United States. A psychologist has much the same impression. The village has a deeper significance culturally and intellectually to the whole country. It's a kind of intellectual crossroads here. Not only are ideas spawned here that go out throughout the country, but people are constantly coming and going. There are certain bars in the village, for instance, that if you want to know what's going on in Paris, you can go down and find out what some friend of yours is doing in Paris or San Francisco or Taos or wherever it happens to be. Because it is a kind of nerve center for certain intellectual and artistic trends. Dans cette effervescence, Jack et les Beats veulent inventer une nouvelle Amérique, poétique, hallucinogène, sur fond d'amour fou et de jazz. À la fin des années 40, le bebop avait émergé du saxo de Charlie Parker, de la trompette de Dizzy Gillespie, du piano de Thelonious Monk. Une forme nouvelle basée sur l'élan, la rupture et l'improvisation effrénée. Très vite, Kerouac, dans ses livres même, s'identifie à ces nouveaux rythmes. Il invente la prose spontanée. Comme un musicien, il prend sa respiration, puis souffle ses mots, se laissant glisser dans le solo, s'abandonnant à ses émotions immédiates, dans l'humour ou le cri. Carnet de notes, griffouillage secret et pages démentes, dactylographiées pour ton propre plaisir, soumis à tout, ouvert, à l'écoute. Défais-toi des inhibitions littéraires, grammaticales, syntaxiques. Livre-film et le film en parole. La forme américaine visuelle, composant frénétique, sans discipline, pure, émergent, d'en dessous. Le plus fou, le mieux, ça vaut. Écrivain, metteur en scène de films terrestres, subventionné et angélisé au ciel. Kerouac a souvent confié qu'il préférait s'assimiler à des musiciens comme Lester Young, Bud Powell, plutôt qu'à n'importe quelle école littéraire. Dans son recueil Mexico City Blues, il chante le grand poète Charlie Parker, pionnier du bop et du pur lyrisme. Tout va bien, voilà ce que Charlie Parker disait quand il jouait. Tout va bien. On avait un sentiment de lever du jour, pareil à la joie de l'ermite ou au cri parfait. Au-delà de la rue scintillante, c'est la nuit. Et au-delà, c'est l'ouest. Pour Kerouac, il faut partir, parcourir l'Amérique comme les pionniers 100 ans avant. Parcourir l'Amérique, la rêver et l'écrire.
quel est ce sentiment qui vous étreint quand vous quittez des gens en bagnole et que vous les voyez rapetisser dans la plaine jusqu'à finalement disparaître? C'est le monde trop vaste qui nous pèse, et c'est l'adieu. Pourtant, nous allons tête baissée au devant d'une nouvelle et folle aventure, sous le ciel. C'est comme si Jack avait déjà tout essayé, et finalement compris la nécessité d'aller voir tout au bout de la route. De couvrir l'espace américain pour le faire sien. D'avaler l'histoire américaine, peut-être. Il faut pour cela traverser les déserts et les fatigues, les villes endormies et les cités perdues, la solitude. Il faut se retrouver au centre de sa propre vie. Il faut explorer toutes les routes imaginables et se donner tous les plaisirs. Au bout de quoi, il y aura peut-être enfin du bonheur. C'était une auto magnifique. Elle tenait la route comme un bateau tient la mer. Les courbes à grands rayons étaient son repos et son champ. Ah, mon pote, quel bateau de rêve, soupira Dean. Imagine, si toi et moi nous avions une auto comme ça, ce que nous pourrions faire. Sais-tu qu'il y a une route qui descend sur Mexico et tout au long jusqu'à Panama? Et peut-être tout du long jusqu'au bout de l'Amérique du Sud, là où les Indiens ont 7 pieds de haut et mangent de la cocaïne au flanc de la montagne. Oui, toi et moi, Sam. On savourerait le monde entier avec une voiture comme ça. Parce que mon pote, la route doit en fin de compte mener dans le monde entier. Il n'y a pas un coin où elle ne puisse aller. Hein. Devant moi, c'était l'immense panse sauvage et la masse brute de mon continent américain. En 1946, Kerouac fait une rencontre qui bouleverse sa vie et son écriture. Neal Cassady, une sorte de flambeur hystérique, fou de filles et de bagnoles, et qui prétend être né vers Salt Lake City, justement dans une voiture. Cassady, l'homme au cerveau amphétamine. Dans « Sur la route », Neal Cassady deviendra Dean Moriarty, le cowboy absolu. Se contentait de parcourir au galop la société, avide de pain et d'amour. Peu lui importait de prendre tel chemin ou tel autre. Un gars de l'Ouest, de la race solaire, tel était Dean. Ma tante avait beau me mettre en garde contre les histoires que j'aurais avec lui, j'allais entendre l'appel d'une vie neuve, voir un horizon neuf me fier à tout ça en pleine jeunesse. Et si je devais avoir quelques ennuis, si même Dean devait ne plus vouloir de moi pour copain et me laisser tomber, comme il le ferait plus tard crevant de faim sur un trottoir ou sur un lit d'hôpital, qu'est-ce que cela pouvait me foutre? Quelque part, sur le chemin, je savais qu'il y aurait des filles, des visions, tout quoi. Quelque part sur le chemin, on me tendrait la perle rare. Jack
est tout de suite fasciné par Neil Cassady. L'obsession de la route, les excentricités, l'alcool, la drogue, une sexualité sans tabou. Kerouac partage tout avec Cassady dans la démence de vivre à 100 à l'heure. Dans « Sur la route », Neil est le héros, l'homme au volant. Kerouac fait le rêve et raconte. La ligne blanche du milieu de l'autoroute se déroulait et léchait notre pneu avant gauche. « Bon Dieu, roule, vieux bateau, roule !» L'auto magnifique faisait rugir le vent. Elle faisait se déployer les plaines comme un rouleau de papier. Elle rejetait le goudron chaud avec noblesse, un navire impérial. J'ouvris les yeux à l'éventail de l'aube. Nous nous élancions vers elle. Le visage de Dean était toujours penché sur la lampe du tableau de bord, anguleux, en proie à son intime dessin. « À quoi tu penses, papa ?»« Ah, toujours la même chose, c'est... aux filles. Aux filles. Aux filles !» Cassady, si drôle, si joueur, si fascinant de puissance, peut aussi devenir insupportable. Ivre de vitesse, il double les voitures par demi-douzaine, les laissant derrière dans un nuage de poussière. Cassady est trop fou et ramène Jack vers ses propres cauchemars. Comme dans une vision, je vis Dean, ange de feu, frissonnant, effroyable, venir à moi tout palpitant sur la route. S'approcher comme un nuage à une vitesse énorme, me poursuivre dans la plaine tel le voyageur ossuaire et fondre sur moi. Je vis son visage immense au-dessus des plaines avec son idée fixe, démentielle et décharnée, et ses yeux rayonnants. Je vis ses ailes. Je vis sa vieille guimbarde, son char d'où jaillissaient des milliers d'étincelles et de flammes. Je la vis qui embrasait tout sur son parcours, qui se frayait même sa propre route et passait à travers le maïs, les villes, anéantissait les ponts, asséchait les fleuves. Elle venait vers l'ouest comme la colère. Je compris que Dean était saisi de folie. Sur cette immense peau de bison tendu, leur continent américain, tous deux filent droit sur l'ouest. Mais Kerouac ne se contente pas d'imiter les pionniers. Il a dans la tête d'autres compagnons et rejoint toute une cohorte d'écrivains errants. Jack London, Mark Twain, Melville. Thomas Wolfe aussi, qui l'influence peut-être plus que tout autre et l'incite à l'autobiographie permanente. Wolfe, ce poète américain aux yeux sombres, dit-il, qui m'a appris à voir l'Amérique comme un poème et non comme un endroit où se battre et en baver. C'est l'histoire de l'Amérique. Chacun fait ce qu'il pense être censé faire. Et qu'est-ce que ça peut foutre si une bande de types parle fort et boit la nuit? Les Américains sont aventuriers, aventuriers et ouais, indépendants. Mais vous l'avez été un peu plus que les autres. Avec mon ami Irlandais, là, oui. Vous savez, l'histoire d'On the Road, c'est pas l'histoire de deux beatniks, c'est l'histoire d'un ex-football player. Ex, ça veut dire j'étais au collège, Columbia. Columbia College, oui. J'ai laissé le Well pour aller à Columbia. Mm-hmm. Et là, vous êtes cassé une jambe en jouant au football. Oui, j'ai cassé une jambe. Puis le gars qui venait de la machine, c'était un cowboy, un vrai cowboy. De cheval. Puis on y allait partout dans l'Amérique où il y avait des filles, puis des jobs. Des amis. Mais écrire à travers tout ça pour vous. Hein? Parce que, et écrire aussi. Parce que, on the road... Quand j'arrive à chez nous, j'écris là. Oh, baby, baby. ¶¶
I'm going to give you the railroad blues. Oh, baby, baby. I'd put a block of wood under the wheels of the car and watch it writhe and crack. The car eased up on it and stopped, and sometimes didn't at all. It just rolled on, leaving the wood flattened to the level of the rail with up-trusted, cracky ends. Afternoons in hometown long ago, I'd wondered what the grimy men were doing with the big boxcars and blocks of wood in their hands. And when far above the big ramps and rooftops of the great gray warehouse of eternity, I'd see the immortal canal clouds of red brick time. The drowse so heavy in the whole July city, it would hang even in the dank gloom of my father's shop, which was a printing shop outside where they kept big roll trucks with little wheels and flat slivery platforms and junk in corners and boards. The ink dyed into the oily wood as deep as a black river, folded therein forever. Voici que j'étais au bout de l'Amérique, au bout de la terre, et maintenant il n'y avait nulle part où aller sinon revenir. Ainsi la route s'arrête, et le mythe aussi, on dirait. Ce qui reste de voyage alors, ce n'est plus que le chemin du retour. Est-ce toujours comme ça ? Rattrapé par ses angoisses, convaincu que l'Amérique n'est plus la terre promise qu'il aurait voulu, Kerouac est encore une fois désenchanté. Pourtant, il lui faut faire autre chose de tout cela, de tout ce qu'il a vécu. Et il faut continuer. Voyager pour lui est une nécessité. Répéter le voyage, c'est fuir toujours plus loin, mais c'est aussi renouveler l'expérience pour pouvoir écrire. La route devient une métaphore. Elle est page blanche qui se répète droit devant et qu'il faut remplir. Dans ses pires tourments, écrire, c'est encore ce qui lui reste de raison de vivre. Les mots, les images et les rêves sont les doigts d'une fausse imagination qui désigne la réalité du vide sacré. Cependant, mes paroles sont encore nombreuses. Et mes images s'étendent vers le vide sacré comme une route qui a une fin. C'est la route du vide sacré, cette écriture, cette vie, ces images de regret. Il y avait les routes réelles ou rêvées. Et puis, il y avait les villes. Les mythiques collines de San Francisco ont toujours attiré les créateurs de toute l'Amérique. Face à New York, San Francisco était l'autre capitale, effervescente et calme à la fois, américaine et différente, et audacieuse. Cette ville ne pouvait que captiver Kerouac, Cassady et tous les autres artistes de la Beat Generation. Plusieurs fois, Jack vint habiter dans la petite maison des Cassady, sur les hauteurs de Russian Hill. La Californie de Dean, pays délirant et sûr, pays d'importance capitale, c'était celui où les amants solitaires, exilés et bizarres viennent se rassembler comme des oiseaux. Le pays où tout le monde, d'une manière ou d'une autre, ressemble aux acteurs de cinéma, détraqués, beaux et décadents. Mais pour Jack, San Francisco est une aventure littéraire. C'est depuis San Francisco, vers 1955, que le mouvement Beach se fait connaître. Le quartier de North Beach est devenu le lieu de rendez-vous des grands et petits poètes. Des lieux se sont ouverts où ils éditent leurs textes et les lisent en public.
La grande presse les découvre ici, surtout, dans la librairie que Lawrence Ferlinghetti tient sur Columbus Avenue, où il accueille artistes et intellectuels. Tous ces futurs génies poétiques étaient là, attifés de diverses façons, avec leurs vestes de velours râpées au coude, leurs souliers éculés, leurs bouquins émergeant de leurs poches. À l'automne 1957, Sur la route est publié. Au cours des 6 années qu'il lui a fallu pour trouver un éditeur, Kerouac a écrit 12 lignes. Mais il a déjà tourné le dos à la mythologie de la route. Avec la sortie de ce roman commence le grand malentendu. La critique installée ne voit en lui qu'un cerveau malade. Sur la route est un succès commercial, mais surtout parce que l'opinion publique, émoustillée par la nouvelle bohème, voit en Kerouac le pape de la Beat Generation. Jack l'écrivain est devenu un phénomène, un produit. De tout ça, il est désespéré. Non, le bonheur simple ne sera jamais pour lui. Jack se réfugie sur la côte pacifique, au sud de San Francisco, dans une cabane que lui a prêtée son ami Ferlinghetti. Il est seul, déprimé, avec son bourbon et un seul livre qui traîne là, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Dehors, tout ou presque lui semble hostile, même l'océan. Il est loin, tout en lui-même, perdu. Un enfant terrifié. L'aube fut le moment le plus horrible, avec les hiboux qui s'interpellaient dans la brume, à la clarté lunaire. Et pire encore que l'aube, il y eut le matin. Le grand soleil se déversait sur ma souffrance, la rendant plus vive, plus brûlante, plus démentielle et plus éprouvante pour les nerfs. Et je m'en vais à l'aventure au bord de l'eau sous le grand soleil de ce dimanche matin, mon duvet sous le bras. Je cherche désespérément un endroit pour dormir. Aussitôt que je trouve quelques lieux gazonnés, près du chemin, je me dis que je ne peux pas dormir là, car les touristes me verront en passant. Aussitôt que je découvre une clairière près de la rivière, je me dis que ce lieu est trop sinistre. Tous les fourrés, toutes les clairières contiennent des forces mauvaises dirigées spécialement contre moi, et dont l'unique but est de me chasser. Hanté par cette crainte, je vais au hasard dans le canyon, le duvet sous le bras en criant « Mais qu'est-ce qui m'arrive donc ?» Comment le monde peut-il être ainsi? Non, le désespoir ne quitte jamais longtemps Jack Kerouac. La haine de soi non plus, de moins en moins. La bière, le whisky, le cognac, la benzédrine sont tout près. À toutes les époques, il a fait de la vitesse, de l'accélération, son mode de vie. C'est le battement qu'il faut garder, le battement du cœur. La fuite à tout va s'accentue encore avec le temps. Il écrit, mais il se fatigue plus. Lorsqu'on l'invite à lire ses poèmes dans des clubs de jazz, il n'est pas au rendez-vous ou bien vomit dans le piano. Il s'écarte de tous ses amis. À 44 ans, son corps est méconnaissable. Il se sent persécuté, assailli de démons, possédé. Lorsqu'on lui demande ce qu'il cherche, il dit attendre que Dieu lui montre son visage. Je vois la croix. Elle ne fait aucun bruit.
Elle demeure là longtemps. Mon cœur vole vers elle. Mon corps tout entier s'efface et la pénètre. Je porte les bras pour qu'on m'y porte. Mon Dieu, je sens qu'on m'emporte. Mon corps commence à mourir, à s'évanouir. Il va vers cette croix qui se détache, lumineuse dans le noir. J'étouffe mon cri, je me laisse emporter vers la mort et vers la croix. Et aussitôt, je me sens renaître à la vie. Lowell, une petite ville industrielle du Massachusetts. Jack y est né en 1922. Il y a grandi, appris à aimer et à se battre. Quelque chose l'y a toujours ramené au fil des années, comme si tous ses déplacements n'avaient eu qu'un seul but, revenir à ce point de départ. Lowell avait été le contraire du voyage, le refuge de toujours. Arrivé au bout de la route, c'est là qu'il lui faut revenir. Il faut que son enfance, les siens, les lieux, tout soit fixé dans l'écriture. Alors pourra commencer la grande légende de Jack Kerouac. Dans votre premier livre, The Town and the City, vous mettez en scène une famille qui vit dans un village que vous appelez Galloway. Oui, ça c'est Lowell. C'est fictionnel, ça. Ouais. Un arrangement fictionnel. J'ai pas une grosse famille comme ça. J'avais deux siblings. Mm-hmm. Ma soeur et ma frère. Et puis, est-ce que vous racontez dans cet ouvrage-là l'espèce d'unité qu'il y avait dans la famille, le rôle protecteur de la mère? Est-ce que tout ça, c'est de la vérité ou si c'est de la fiction? Vérité. C'est de la vérité, ça. Oui, mon père était mon protecteur. Ma mère aussi. Votre père est mort maintenant. Vous aviez quel âge quand il est mort? 24. Et votre mère vit encore, ce moment-là? Oui. Gabriel Lévesque. C'est drôle comme un palin. Ah oui? Léo Kerouac, Gabriel Lévesque. Des Canadiens d'origine bretonne et normande, immigrés aux États-Unis. À cette époque, comme le racontera Jack, on parlait français dans la cabane. Jack s'appelait encore Tijan. Le bon Tijan, sous la protection de Gabriel, dans la chaleur de celle qu'il appela jusqu'au bout « Mémère ». Dès l'enfance, Mémère est celle qui rassure. Elle calme Tijan, le prend dans son lit dans les orages, le serre plus fort lorsqu'il a peur des ombres. Ce sera ainsi jusqu'à la fin de Jack et dans ses pires moments de cauchemar. Bientôt, tu te dresseras jusqu'au soleil et tu propulseras tes os mesquins, durs et sûrs de toi, vers des travaux énormes, des grands dîners fumants, et tu cracheras ton estomac. Nuit d'amour dans la souffrance, dans des lunes de toile d'araignée, la brume de poussière lasse, le soir, le blé, la soie, la lune, la barre, ce qu'on appelle la maturité. Mais tu ne seras jamais aussi heureux que maintenant, dévorant ton livre innocent posé sur ta couverture. Enfance dans la nuit immortelle. Dans la maison, il y avait une sœur cadette, Caroline, et Gérard surtout, un petit frère malade depuis toujours et qui allait mourir, saint martyr de la famille, à 9 ans. Durant les 4 premières années de ma vie, dira Kerouac, lorsque Gérard vivait, je n'étais rien, c'est-à-dire seulement lui. Le monde était son visage. Je ne voyais qu'au travers de sa tendresse et de sa bonté. Jack, qu'on appela longtemps Memory Babe, le môme qui n'oublie pas. À la mort de Gérard, Jack Kerouac eut ce mot. Non, ça ne peut pas être comme ça. Je veux aller au ciel. Je veux que nous soyons tous au ciel. Charlie Parker looked like Buddha.
Charlie Parker, who recently died laughing at a juggler on TV, after weeks of strain and sickness, was called the perfect musician. And his expression on his face was as calm, beautiful, and profound as the image of the Buddha represented in the East. The lidded eyes, the expression that says, all is well. This was what Charlie Parker said when he played, all is well. He had the feeling of early in the morning, like a hermit's joy, or like the perfect cry of some wild gang at a jam session, wail, whop. Charlie burst his lungs to reach the speed of what the speedsters wanted, and what they wanted was his eternal slowdown. A great musician and a great creator of forms that ultimately find expression in mores and what have you. Musically as important as Beethoven, yet not regarded as such at all, a genteel conductor of string orchestras in front of which he stood, proud and calm, like a leader of music in the great historic world night, and wailed his little saxophone, the alto, with piercing clear lament, in perfect tune and shining harmony, toot. As listeners reacted without showing it and began talking, and soon the whole joint is rocking and talking, and everybody talking, and Charlie Parker whistling them on to the brink of eternity with his Irish St. Patrick patootle stick. And like the holy miss, we blop and we plop in the waters of slaughter and white meat and die one after one in time. And how sweet a story it is when you hear Charlie Parker tell it, either on records or at sessions, or at official bits and clubs, shots in the arm for the wallet. Gleefully, he whistled the perfect horn. Anyhow, it made no difference. Charlie Parker, forgive me. Forgive me for not answering your eyes. For not having made an indication of that which you can devise. Charlie Parker, pray for me. Pray for me and everybody. J'espère que vous avez pris plaisir à ce portrait de Jack Kerouac qui marquait donc la centième de cette émission. Si vous souhaitez en savoir plus sur son œuvre, eh bien vous savez comment faire. Vous composez le 3615 code France 3 et vous avez également l'accès à ces informations par Internet. Nous avons rendez-vous la semaine prochaine pour une 101e émission. Nous serons en compagnie d'un homme dont on a beaucoup parlé ces derniers jours en raison du Goncourt. Il s'agit de François Nourricier, mais nous irons voir derrière le concours du côté du romancier. Merci, bonsoir, à mercredi prochain.